Prix du Moulin et Auchan. Toronado, le numéro 1 favori, à 2,40€. Il n'a pas qu'une main aujourd'hui sur ça. De la excellente pour ce deuxième groupe 1 de l'après-midi, c'est le Qatar Prix du Moulin de Longchamp, 1600 mètres à parcourir avec 4 chevaux. Déjà, lauréat du groupe 1 qui se connaît pas, mais pas le cas de Mogadiscio. Le numéro 3 qui prend le meilleur départ s'installant aux commandes, c'est le cas en revanche de Toronado, le grand favori qui vient à son extérieur, le Charme Péritier, 3e à la corde, devant le 4 Sommerabend qui est en 4e position. Alors que le 8 Master Carpenter est accompagné à son extérieur par le numéro 10 Bawina, alors que Zotéric vient dans son sillage devant le numéro 9 Night of Thunder, le gagnant. Et 2000 guinées qui est encore devant le Grand Vintage, ainsi que Decathlon, numéro 7, qui a été placé en dernière position par Michael Barcelona. Mogadiscio et Delphine Santiago pour toujours l'avantage, avec Toronado, le favori numéro 1, qui est en deuxième position. Charles Spirit est troisième, la quatrième place occupée par le 4, le Sommerabend, avec Bawina qui galope au milieu du peloton. Le numéro 9, Night of Thunder, lauréat des 2000 guinées, attendant le dernier tiers du peloton, avec Esotiri qui est à son extérieur. Decathlon est à l'arrière en compagnie du numéro 2, Grand Vintage. Mogadiscio qui s'est en tête, va bientôt déboucher dans la dernière ligne droite. Le reste du peloton vient plus loin, notamment avec Toronado, avec Charles Spirit également, qui était la corde devant Soren Ravel. Le numéro 4 à la corde, toujours Master Carpenter qui file devant Bavina, accompagné à la corde par Grand Vintage. On retrouve également Night of Thunder, ainsi que Zotéric qui tente de se rapprocher. Mogadiscio qui tente de repartir maintenant. Charles Spirit qui progresse le plus fort depuis maintenant et lancé par Kevin Jones. Mais attention à Toronado qui a son tour et poussé à l'extérieur par Richard Jones. Charles Spirit pour la victoire avec Toronado. Quel but à l'arrivée de ce Qatar Prix du Moulin de Longchamp avec Charme Spirit, côté corps, numéro 6 qui repousse jusqu'au bout le profil du favori du numéro 1 Toronado. Night of Thunder, le numéro 9 qui finit bien également. Il est 3e, la 4e place derrière Esotéric et qui portait le numéro 5 devant le 10. Bawina, le numéro 1 d'arrivée de ce Prix du Moulin de Longchamp. 6, As et 9 en chiffre avec Charme Spirit qui décroche le deuxième groupe 1 de sa carrière de l'année après sa victoire cet été. Oui, et donc bien aidé par la montre très inspirée de Thierry Jarnet, qui a tout fait le long de l'accord.